Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va maintenant jouer à Minecraft et je vais vous présenter mon nouveau quartier. Ou alors on va faire une amélioration de ma ville. Ah, on va faire une vidéo genre présentation de mon quartier, de mon nouveau quartier Minecraft. Ouais, il doit y avoir là-bas. Et j'ai même mis une cloche sur une. J'ai même mis une cloche, regardez. Je vais vous montrer si je trouve l'endroit. Souvent la console elle a des petits bugs. Où se trouve l'hôtel de ville, j'ai oublié c'est qui où. Voilà, c'est là, c'est ça, ça va faire du bruit. Maintenant on voit pas c'est qui et l'horloge. Ouais, même si dans le paradis j'ai quand même mis une. Ouais, je suis sérieux, encore ma Nintendo Switch que j'ai pas mal réussi. Ouais, bah, souvent la console elle a des bugs, c'est pas de ma faute. C'est bon. Normalement. Il faut que je suive cette petite route qui fait presque toute la ville. Je passe par là et normalement j'y suis. Ah ouais, cette maison elle me bloque. C'est par là. Regardez, c'est là, le petit quartier. J'ai mis un feu de camp. Puis au-dessus, il y a même la prison. Il y a la prison pas loin du quartier. Ma petite maison, une petite maison que j'ai construite, c'est quelques maisons que j'ai faites, c'est mon petit quartier que je vais bientôt améliorer. Normalement bientôt sur la chaîne je vais améliorer ça, ce magnifique petit quartier que je fais avec merveille, que je suis en train d'améliorer là pour l'instant. Ce n'est pas le grandiose, j'essaie de faire de mon mieux pour l'améliorer. Que je cherche comment le plus vite, c'est que sur ma map elle est, c'est une map que j'ai construit moi-même et elle est grande. Regardez. Ouais, c'est vrai que le quartier que j'ai fait est assez grand. Présentation de mon nouveau quartier. La ville est, dans ma map, c'est vrai que ma ville elle est un peu immense. C'est pas parce qu'elle est immense que ça compte quand même pour une grande ville. Si on compare celle de Twinner, en fait je vous conseille, abonnez-vous à sa chaîne. Je vais présenter sa chaîne plus tard, je présenterai ça en vidéo. Je présenterai la chaîne de Twinner. Elle a déjà beaucoup d'abonnés, mais je suis pas venu ici. Mais là, je fais pas des vidéos pour parler de sa chaîne. Là, je fais une vidéo Minecraft. Ouais, c'est vrai que le skin Bowser Jr. est plutôt cool. Juste quand il vole, on peut même tirer. Là je vais tirer. Oh, ouais, c'est vrai que c'est pas intéressant le petit parc. Et la flèche a atterri pile poil ici.
Le petit quartier que j'ai fait n'est pas si mal. Là, je vais placer un peu de villageois. Regardez. Et en plus, regardez ça, je vais vous montrer un truc. Bah, s'il y en a qui le savent, le petit secret avec les villageois. Regardez, je vais vous montrer. Tout d'abord, il faudrait qu'on aille à une... Il faut qu'on suive une de mes lignes de train. Où est-elle? Parce que c'est plus dans les nerfs, on a les petits bugs. On peut même pas accéder ou toucher. Attendez, là j'en ai marre, ça bug. Je peux à peine y rien voir. Je peux même pas savoir où il y a de blocs. Bizarre, pourquoi ça bug? D'habitude ça bug pas. Non, et alors c'est à moitié qui bug. On peut voir intérieurement et en plus on peut même pas savoir où se trouvent les blocs. Et une fois il y a eu un bug où l'eau n'était plus la même eau. Ah voilà. Souvent il y avait des petits bugs graphiques. Voilà, on part de la gare. Ok, on va partir de la gare, on va suivre la ligne de voie, celle-là, et on va essayer d'aller voir par là-bas. Suivons les petits rails. Oh mais non, oh, ça recommence. Dans la map, je peux pas accueillir mieux que ça. Pourquoi je peux plus aller? Ah bah voilà. Ah voilà, il y a de l'espace qui se libère. Je sais pas comment je vais faire moi. Je fais la ligne de rail comme ça tout droit. Voilà, je vais vous montrer en fait. Allez tout droit. Mais ça va faire un long chemin. Et à un moment, vous sentirez que ça va tourner. Mais non! Tu suis cette ligne, tu vas voir qu'elle est que là. Il y a un petit passage. Et hey, toi, avance, vous voyez? Quand il y a de la glace, ben les trucs ils deviennent comme ça. Regardez, quand je vais vous montrer pour vous dire que c'est pas fou. Regardez. Quand je fais spawn, il est de couleurs différentes. Quand on fait spawn un autre là, il sera normal. Même s'il entre dans le côté glace, ça change aux différences.
dépend sur quel endroit il est collé. Par exemple, ici, si je fais spawn. What? Oh, pas grave. Bon, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, les amis, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère qu'on sera bien plus. Salut!